1965, qu'il y a des guitaristes qui commencent à faire ce qu'on appelle du ragtime guitar. C'est-à-dire qu'ils entendent des disques de ragtime de piano et ils se mettent à faire du ragtime guitar, c'est-à-dire qu'ils essayent de copier le piano avec une guitare. Pas facile. Alors comment ils font? Mais ils se disent, on entend une basse tout le temps au piano. Parce qu'il y a toujours la main gauche qui joue au piano, vous savez. Le piano, il y a 7 octaves avec toutes les notes et on a 10 doigts pour jouer dessus. À la guitare, on a 6 notes. C'est tout. Toutes les autres, il faut les fabriquer. Alors comment faire? Eh bien, comme on entend une basse au piano sur les disques, on va essayer de faire pareil. Mais là, cette fois-ci, on va le faire avec le pouce de la main droite, puisque la main gauche est occupée à fabriquer les notes. Après, on entend quand même de la mélodie. Oh, mais c'est en même temps. C'est en même temps que la main gauche joue les basses. Donc, il faut se débrouiller pour faire des mélodies en même temps. On fait les basses avec le pouce. Comme ça. We'll be right back.